Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous proposer un petit point technique au cas où vous voudriez ponctuellement faire une plastification que vous n'avez pas de plastifieuse et que vous n'avez pas envie d'en acheter. Alors, une plastifieuse, c'est ce type d'objet. On vient placer une feuille, justement plastiquée prévue pour, dedans, avec l'objet à plastifier, la feuille fine à plastifier à l'intérieur. Et après préchauffage, ça passe à l'intérieur et ça ressort plastifié. Là, elle est découpée parce que je me suis servi que d'une partie de la feuille et on peut justement les garder et les conserver en partie seulement. Alors, petite note très importante sur les plastifieuses, vous avez plusieurs réglages de température généralement. Ici, on a 80, 100 et 125 microns. C'est l'épaisseur de la feuille plastique à faire fondre. Si vous n'avez pas ça et que vous voulez quand même, vous avez quelques feuilles plastiques que vous avez récupérées quelque part ou que vous avez envie de plastifier un truc, mais de manière très ponctuelle et très peu de choses, ou que vous avez le matériel, mais que vous voulez plastifier quelque chose qui ne rentre pas dans la plastifieuse, c'est possible, je viens de le faire avec ça. Donc ça fera office de marque-page, mais ça c'est pas le problème. C'est surtout que je voulais un accroche stylo pour mettre dans mon agenda. Et bien entendu, si je le mettais entre deux feuilles de papier, ben, ça ne passait pas dans la plastifieuse. J'ai quand même essayé au cas où. Voilà, petit coucou des chats qui font n'importe quoi, et ça marche pas. Ce que j'ai fait, c'est utiliser un fer à repasser et un torchon, un chiffon, une pâte mouille, etc. Sans humidité, sans eau, sans rien, et ça fonctionne. Faut le régler assez chaud, mais pas trop non plus, et ça va dépendre un peu de l'épaisseur de votre plastique, puisque dans les plastifieuses, des fois vous pourrez voir apparaître des petites bulles, et en fait ça indique que c'était trop chaud. C'est pour ça qu'il ne faut pas régler par défaut sur le plus chaud, parce que le résultat sera moins bon. Là, comme c'est pas une table de repassage chez mon bureau, il y a une plaque en verre qui protège mon bureau. Couche de tissu, l'objet à plastifier, couche de tissu, fer à repasser, bien faire des mouvements, bien venir bouger, réajuster. Alors c'est beaucoup beaucoup plus long, mais voilà, ça va vous permettre de faire des objets avec notamment, ici par exemple, un élastique pour tenir les stylos qui ne seraient pas passés dans la plastifieuse. Voilà pour le petit point technique sur le plastique et les plastifieuses. Allez, bonne journée, au revoir!